On était dans ce club trop cool dans le centre. Et là, Fabien arrive. Attends, je peux... Et là, Fabien ramène son cousin. Non. Je vois qu'il commence à parler. Oh, désolé. Oui, papa. Salut, ma puce, comment ça va? Je suis au café avec une copine. Je peux te rappeler plus tard? Ah, désolé. Excuse-moi, ma puce, c'est que tu me manquais. Et je voulais entendre ta voix, dis-moi. On mange ensemble dimanche? Non, je passe l'après-midi avec maman dimanche. Ah, d'accord. Et dimanche prochain, alors? Non plus. Je fais un barbecue avec des amis. Ah, d'accord, je vois, ma chérie, je comprends. Bon, Tu me diras ce qui t'arrange, alors. Hein? Tu me manques beaucoup. Et puis, j'ai tellement envie de te voir, mon ange. D'accord, on fait comme ça. Je te tiens au courant, d'accord? Ok, y a pas de souci, ma puce. Je t'embrasse. Oui, ça marche, à toutes. Il me saoule. Depuis son opération, il a une demande constante d'attention. C'est lourd! Écoute, tu ne crois pas que ça pourrait être un appel au secours après son accident? Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il a failli vous perdre. Mais non, il est jeune. Il a encore une longue vie devant lui. Et nous aussi. Mon fils, comment tu vas? Tu réponds enfin au téléphone. Papa, combien de fois est-ce que je dois te dire de pas m'appeler pendant que je suis au travail? Franchement, c'est agaçant. T'as pas déjà Alzheimer quand même, non? Ah, excuse-moi, j'avais oublié que tu travaillais aujourd'hui. Pardon, je suis vraiment désolé, vraiment, d'accord? T'avais oublié? Papa, aujourd'hui, on est mardi. J'ai compris, mais... Moi, j'ai rien à faire de toutes mes journées, comprends-moi. Tous les jours se ressemblent, lundi, mardi ou mercredi. C'est pareil pour moi. Alors essaye un peu de me comprendre, hein. Que j'essaie de te comprendre, moi. C'est à toi de me comprendre, papa. Tu vois pas que si je te réponds pas au téléphone, c'est parce que j'ai autre chose à faire? C'est simple, c'est pas dur à retenir, non? Alors pourquoi est-ce que t'appelles? Encore, encore et encore. Bon, excuse-moi. Et si je t'avais appelé parce que je me sentais pas bien, hein? Hein? Je pourrais aussi bien mourir, pas vrai? Tu t'en fous complètement! Papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, c'est l'hôpital qui m'aurait appelé, non? Oui, mais tu sais... Tu es dans mes numéros d'urgence. Bon, papa, écoute. Je suis désolé, oui. T'as souffert d'une terrible maladie, c'est vrai, mais tout ça, c'est du passé. Maintenant, il faut que t'ailles de l'avant. Il faut que t'arrêtes de m'appeler tous les jours. Mais tu comprends pas que j'ai tout perdu. J'ai perdu ta mère quand elle est partie. J'ai commencé à aller mal. J'ai perdu mon travail aussi. J'ai plus rien. Et j'ai pas envie de perdre mes enfants aussi. Ils sont tout pour moi. Thomas. Alors... Papa,
Papa. Mon fils. Papa, dis-moi comment tu te sens. Et comment tu veux que je me sente hein? Papa, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, mais pourquoi t'as fait ça? Je pensais pas que t'en arriverais là. Je sais pas, Thomas. Je sais pas. C'était comme si... je voulais faire disparaître la douleur que je ressentais à l'intérieur. Je savais plus quoi faire. Je me sens inutile. Papa, on est désolé. C'est de notre faute. Non, ma puce, ce n'est pas de votre faute. C'est moi qui ai honte de la personne que je suis devenue après ce qui m'est arrivé, c'est tout. Je vivais dans l'angoisse permanente que ça recommence. Non. J'avais peur que tout s'arrête du jour au lendemain et que je puisse plus revoir mes enfants. J'avais plus aucun but dans la vie, vous comprenez? J'avais des idées noires. Totalement noires, oui, c'est vrai. Je suis désolé, mes enfants, je suis désolé. Je suis désolé, papa, on n'a pas réussi à comprendre à quel point la vie était difficile pour toi. À quel point ta vie avait basculé depuis cette opération. On est désolé. Vraiment, on est désolé. On aurait dû comprendre que t'allais pas bien et être là pour toi. Mais au lieu de ça, on a fait que t'ignorer et te repousser pendant tout ce temps. Je le regrette vraiment. Non, non, soyez tranquille. C'est moi qui ne voulais pas reconnaître que j'avais besoin d'aide. On est là pour toi. Je sais, ma chérie, mais ce n'est pas de votre aide dont j'ai besoin. Je crois que j'ai besoin de consulter un psychologue, c'est tout. C'est pas possible. C'est pas possible d'en être arrivé là, à essayer de commettre un tel acte. Heureusement, la crise de panique m'a empêché de sauter. Parce que sinon, je ne serais plus là aujourd'hui à vous parler, mes enfants, je suis désolé. Vraiment, vraiment désolé. Papa. Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardon de pas avoir compris que tes petites demandes d'attention, en réalité, ça cachait un désespoir aussi profond. Tu nous as appelés à l'aide, mais on n'a pas écouté. Je suis désolé. D'accord, mon fils, d'accord.